La police. Ah, la police, vous êtes venu pour Savoir voir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que je suis venu récupérer le bien qui ont été volés. Vous, en tant que la police, vous êtes censé nous aider à identifier les voleurs qui ont volé ces biens. De 1880, en 1960, ces biens ont été pillés en Afrique. D'accord. Je vous cite avec précision, 9800 pièces au Tchad, 1428 pièces en République démocratique du Congo, 3800 pièces au Bénin Dahomey, 10000 pièces à peu près au Nigeria, et ainsi de suite. La liste est longue de nos biens qui ont été pillés. Alors, en digne héritier de mes ancêtres qui ont été massacrés, violés, des femmes et enfants qui ont été éventrés pour avoir ces choses. D'accord. Voilà pourquoi je suis là. Ok, très bien. Par contre, je suis pas convaincu, monsieur, que ça vous appartient personnellement. Ça appartient au musée. Non, le musée l'a eu où? Ça appartient à l'Afrique. D'accord, mais ça ne vous appartient pas. Ça m'appartient personnellement parce que ce qui est bien commun est d'abord, avant tout, bien individuel. Et si vous voulez la preuve par excellence encore, je vous ramène là-bas où il y a la pièce. Vous verrez monsieur, un homme. Monsieur, attendez, monsieur, je l'explique. Monsieur. Assis tailleur et les mains allongées. Dans ma langue, ça s'est dit Chalamoko Fundu Zinkata. C'est-à-dire, assis tailleur et étale tes mains. Je suis disponible pour le peuple et pour les autorités. C'est pour la lignée de Ntumba Vemba, la lignée de mes ancêtres. Donc ça m'appartient directement, mais aussi indirectement. Tout m'appartient. Et je suis venu prendre ça. Hein? Voilà, déjà. Madame, est-ce que vous pouvez couper la vidéo, s'il vous plaît? Elle me filme, moi, pour que vous ne dites pas hier qu'il y a eu violence, que je vous ai insulté. Il faut que je puisse avoir ces preuves. Sa place est dans le musée, c'est pas... Non, sa place est en Afrique. Je vous explique, on dirait que vous ne m'avez pas écouté. Je vous explique. Moi, je vous explique. Vous, en tant que policier, lorsqu'il y a un voleur et un receleur, vous arrêtez qui? Madame, bonjour. Et un propriétaire. Madame. On bonjour. A expliqué déjà à votre agent. Madame, monsieur, bonjour. On a expliqué à votre collègue. Hey, Aubin, c'est bon. Elle me filme, moi. La diffusion pas d'image vous. Est interdite. Oui, on le sait. On le sait. Si vous n'êtes pas content, vous irez à la auprès du juge. Donc, je disais que ces objets-là, le sang de mes ancêtres ont coulé. D'accord, très bien. Des siècles et des siècles. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire. La meilleure façon, c'est ça, parce que eux, ils ont demandé l'autorisation à qui? Ne me dites pas comment je dois agir, moi. De quelle façon dois-je agir? Quand quelqu'un vient chez moi, viole ma maman, mes petites sœurs et vole mes biens. Et je quitte l'Europe, l'Afrique, je viens ici, on me dit, tes biens se trouvent à l'Elysée. J'arrive à l'Elysée, je trouve un monsieur qui se cache derrière, qui met autant de policiers. Je fais mes enquêtes, on me dit, les biens qu'il a volés, il a mis ça au nom de son peuple ici. Alors je suis venu tranquillement, le jour, pas la nuit, pas cassé. Je suis venu humblement prendre mes biens, le ramener en Afrique. Je pars tout droit ici les déposer, monsieur, là où on va l'envoyer en Afrique, et je reviendrai ici tous les jours. Monsieur. Ici, avec l'ensemble de musées dits des missions catholiques, parce que l'église catholique doit rendre tous les biens. Ils nous ont menti que c'était de la sorcellerie. Or, c'est ça la sorcellerie qui apporte 12 euros ici. Chaque entrée ici apporte 12 euros. Voici les produits de la sorcellerie. Les missionnaires catholiques et chrétiens sont venus nous dire que c'est de la sorcellerie, alors qu'ils l'ont amené ici pour gagner de l'argent. L'église catholique va rendre des comptes. Je suis venu récupérer le bien de l'Afrique. Ces inaptes des présidents africains incapables de faire quoi que ce soit. Et qui s'assoient sur des, je ne sais pas moi quoi, incapables de faire quoi que ce soit. Alors que le peuple est humilié. 12 euros par personne, ici. Alors que l'Afrique cherche de l'argent. Et la France s'est dit, j'aide l'Afrique. L'aide au développement. Alors que vous avez l'argent de l'Afrique ici.